Et nous sommes de retour pour la survie du week-end, bienvenue, enfin la partie 4 est enfin sortie. Donc on peut voir que dans mon inventaire j'ai un petit objet, un nouvel objet, le travois. Alors ce qui va se passer c'est que comme j'avais expliqué la dernière fois, en fait le dernier épisode, nous sommes ici. Donc nous sommes à l'autoroute côtière car je voulais en fait rester à l'autoroute côtière pour la sortie de la partie 4. Et du coup elle est arrivée donc quelques jours après ça. Donc c'était parfait. Donc on était à notre camp comme d'habitude, hein, la station service et tout ça. Et je voulais en gros faire plus ou moins toutes les maisons d'ici, tout en rentrant au lac Mystère, donc à notre base. Et après, depuis notre base, on va donc à la nouvelle zone et on va à l'assaut de cette toute nouvelle zone avec tout plein de nouveaux dangers, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gourdes en fait isolantes que je voudrais trouver, tout simplement, pour le liquide et tout. Pour le moment, donc j'ai fait quelques bâtiments, j'ai rien du tout trouvé, donc je suis un peu triste. Donc j'espère que le temps que je rentre en fait à la base principale et tout, que je fasse le sac avec le travail et tout ça, je vais potentiellement trouver quelque chose, j'espère vraiment, parce que ça va vraiment être bête si on l'a pas. Mais bon, à la limite, c'est pas le plus important. Mais du coup, on est en pleine nuit en ce moment et il y a une aurore boréale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tout simplement à côté de la mine. Donc on va manger, on va boire aussi parce que j'ai un peu trop de viande sur moi. Donc on sent la barbaque. Et du coup, en gros, je vais vous montrer ce petit morceau et sûrement couper après et rentrer au camp, tout simplement. On est donc ici. Je vais vous montrer ça. En plus, j'ai des fusées éclairantes au cas où. Je vais même les utiliser en fait. Donc nous sommes ici. Donc je me suis arrêté ici en fait pour dormir un peu parce que j'étais sur le chemin pour rentrer évidemment. Et du coup, aurore boréale veut dire qu'on peut prendre l'ascenseur qui est dans la mine là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est pas vraiment encore du DLC exactement. Mais je pense que ce serait un peu bête de passer à côté sans le montrer en fait tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, donc cette première partie de vidéo va être basée sur l'exploration de cette mine qu'on n'a jamais pu faire en fait. Car on n'a jamais eu d'aurore boréale au moment où on était à côté. Donc nous allons faire ça. Et après, comme j'ai dit, je me préparerai pour le DLC. Donc il y a eu pas mal de nouveautés, hein. J'ai fait bien sûr une vidéo pour expliquer les nouveautés. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés évidemment comme d'habitude. Donc ouais. Donc normalement j'ai ça. Je pense qu'on va prendre ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement je voudrais économiser sur le fuel de la lampe, tout simplement. Donc on va utiliser des fusées. J'en ai deux et j'en ai plein en fait de côté, hein. Je les utilise jamais du coup, donc je dois en avoir plein. Donc c'est pas vraiment un problème. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Alors normalement on avait déjà tout fouillé le haut. Ouais, on a tout fouillé le haut, on est bon. Ouais, on va avancer pour éviter de trop perdre de temps sur la fusée. Et normalement, si je dis pas de bêtises, l'ascenseur doit fonctionner. Ouais, il y a la lumière. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc voilà, donc on va faire ça. On va faire ça. Donc maintenant on est descendu. Alors là c'est grand et c'est assez dangereux parce qu'en fait il y a l'électricité partout et il y a de l'eau partout avec des câbles à l'intérieur, enfin qui touchent l'eau. Donc extrêmement dangereux. Et je vais être honnête, la plupart du temps, tu peux prendre ça. La plupart du temps l'électricité est un peu, on va dire que ça va vous toucher facilement. Voilà, on va pour expliquer les choses. Comme ça. Ça va vous toucher facilement. Donc j'espère que je vais pas me faire toucher parce que sinon il va falloir que je me repose et tout ça. Ça va être trop lourd. Dans un sens, j'espère trouver une gourde ici. Mais bon, on a peu de chance aussi d'en trouver. Ça. Okay. Donc ça, il faut pas le toucher. Je crois qu'il faut passer par là en fait, par le haut. Ouais, il faut passer par là. Je vais juste voir là, de ce côté-là d'abord. Honnêtement, je l'ai fait qu'une fois cet endroit. Je me rappelle avoir mis du temps pour essayer de bien explorer les choses. Mais je vais être franc, je me rappelle plus vraiment si, enfin, par où passer en fait. Je pense que ça fait un cercle. Je pense que ça fait un cercle. Donc peu importe le chemin qu'on prend, on devrait être bon. En tout cas, j'espère. On va voir un peu ça.
Donc on va prendre d'abord le chemin qui est un peu plus sûr, et après on essaiera le chemin qui est électrifié de tous les côtés. Là aussi c'est électrifié évidemment. Mine shaft. Je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses récompenses. Là il y a un sac. Honnêtement je pense pas qu'il y ait de grosses récompenses ici. Mais c'est de l'exploration, on essaye de trouver des choses quoi. C'est tout simplement. On a des caisses. On va passer par là. Essayons de ne pas toucher l'eau. Ça peut être assez dangereux ici, hein, donc je vous conseille de faire très très attention. Après, les brûlures peuvent être soignées. Les brûlures dues à l'électricité par exemple. Donc c'est pas trop grave, mais ça prend du temps. Et honnêtement, je voudrais vraiment pas en avoir, parce que sinon ça, je vais devoir passer plusieurs jours en fait à me soigner. Je suis assez content pour le DLC avec le travail. Le travail est vraiment sympa. Cul-de-sac pour moi. Ok, ça marche. Le travail est vraiment sympa. Donc je vais essayer de l'utiliser en fait quand on va partir pour la nouvelle zone. Ouais bon bah du coup on fait demi-tour et on va à l'endroit qui est techniquement dangereux. J'aime bien aussi voir nos vêtements maintenant. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ça rajoute un peu d'ambiance. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas vraiment très bien pour le moment aussi. Genre les bouillons, il faut pas en faire par exemple. Les bouillons sont un peu... Oh. Je suis passé tout à l'heure. Par là tout à l'heure. Oui. Ok, cette partie ça va être la partie relou. Oh, c'est bon, on est passé. Combien de fois je me suis fait électrifier par là? Bon bah du coup on va monter. Alors faut pas toucher cette porte là. On va faire ça. Pourquoi je vais... Oh! Parfait. Cool. Voilà. Ouais bon on le laisse. Je voulais pas en fait la laisser, je me suis dit tiens on va la récupérer quand même. Puis au final ça m'a permis de... Oh, attention. Ça m'a permis de, de trouver le fait que j'ai pas vu une boîte, c'est bien. Non, du coup on descend ou on monte? Je sais pas, franchement je sais pas. Je crois que si je descends je peux pas... Ok, il n'y a que du charbon de toute façon, je vois pas de choses très utiles. Je crois que si je descends, en fait, je suis obligé de passer par la porte, et la porte du coup c'est dangereux, parce qu'elle est électrifiée. Là c'est pour redescendre, donc là on est déjà passé, donc il n'y a que ici en fait, qui est nouveau, ok ça marche. Après j'ai ma lampe hein, sur moi bien sûr, donc c'est pas très grave, si jamais on n'a plus de fusée éclairante, mais bon. Alors aussi, dans ma survie, du coup, nous, on n'a pas le scorbut, car il n'est pas, activé dans les sauvegardes, en fait, existantes. Donc, voilà, il n'y a pas à se soucier de ça. C'est un peu bête dans un sens, mais bon, c'est comme ça. Oh, bonjour. Ils ont décidé de... Ok, ça n'a pas changé, c'est bien, il y a toujours ces bugs là où tu vois pas en fait ce que tu ramasses, c'est bien, c'est cool. Je sais toujours pas pourquoi ça fait ça, je sais pas exactement le problème. Je sais que c'est depuis ce DLC, je sais que c'est depuis le DLC entier, depuis le début de l'année que c'est comme ça. Donc j'ai vu beurre de cacahuète, 900, c'est pas mal. Mais ouais, normalement on devrait avoir genre C, donc vitamine C, et ça devrait dire moyen, médium et tout ça. Et nous on l'a pas.
Ouais, on verra ce qu'on a récupéré après, de toute façon. Là, il y a un chemin. Quoi? Comment ça, aïe? Pourquoi tu dis aïe? Elle a bien dit aïe. Bon, on n'a pas perdu de vie, rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Ok, très bizarre. On a un chemin là, mais je crois que c'est un cul-de-sac. À moins qu'on veuille se faire électrocuter. Ah, là, il y a un chemin avec une caisse à prendre. Ah, peut-être de ce côté-là. Ouais, c'est par là. Mais je vois pas. Putain, j'ai eu peur. Pourquoi elle a gueulé comme ça? Tu veux monter? Tu veux te remettre debout ou pas? Allô? Merci. Putain. Donne-moi un truc de bien. Non. Qu'est-ce que je serais content de trouver des gourdes. Oh là là, qu'est-ce que ça serait bien. Il m'en faudrait au moins une. Comme ça, on peut l'utiliser, quoi. Mais pour le moment, j'ai pas eu de chance. Ok, qu'est-ce que dans le torse. Bon, ici, de ce côté-là, on va pas y aller. Couvert parce que c'est bientôt fini. Après, comme j'ai dit, j'ai ma lampe, mais je voudrais pas vraiment utiliser ma lampe. Oh putain. Putain, mon dieu. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, ça passe. Oh! Jerrycan, très bien. Ok, j'ai tout pris, mais ça fait beaucoup, honnêtement. On est à combien? 49 kilos. Pull de pêcheur troué. Bon, bah du coup, on est de l'autre côté, maintenant. Pull de pêcheur troué, c'est bien, ça, ou pas? Non, c'est pas vrai. C'est pas intéressant. Bon, ben je crois qu'on a fait tout le tour. Je suis quasiment certain qu'on a fait tout le tour. Ouais, après, je crois que ça, c'est l'autre bout de la mine, en fait. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas de... vu qu'il n'y a pas de chemin, on va pas le prendre. Hop, j'ai peur à chaque fois. Quand les planches comme ça touchent un peu l'eau, ça me... Je suis jamais très très rassuré. Bon, bah on va partir. On va tout simplement reprendre l'ascenseur et on part. Ouais, non, ouais, normalement ça irait de ce côté-là. Ouais, non, là je peux pas y aller. À moins de m'électrocuter, non, je peux pas y aller. Bon, bah voilà, on a fini. On a fini. Très bien. Comment demi-tour, c'est par où? Je me rappelle plus déjà. Demi-tour, il faut prendre le côté gauche, je crois. Oh putain, là je vais m'électrocuter, je sens. Oh mon dieu, c'est bon, ça passe. Alors après, la question que je me pose toujours, j'ai jamais tenté évidemment. Est-ce qu'on peut être bloqué en bas? Genre si jamais l'aurore boréale en fait s'arrête, est-ce qu'on peut être bloqué en bas? Ça c'est une question que je me suis toujours posée. J'imagine que oui. Là il y a un câble, par exemple. Quelqu'un voit quelque chose d'intéressant en bas? Je pense pas. Oh putain, là ça va être la merde. Oh, on est bon. On est bon. Ouhouhou, on est bon. Bon ben voilà. On est allé là-bas.
J'ai un doute. Oh la vache. Je crois que oui. Je me rappelle déjà plus quoi. Peut-être pas. Je me rappelle déjà plus. Parce que tout se ressemble et je suis en train de réfléchir à surtout comment on va aller au, à la nouvelle zone en fait. Oui, on est déjà. Ah ouais, c'est bon. Ça fait bien. Il y a quelques cercles en fait, donc ça va. Bon, bah maintenant on va reprendre l'ascenseur et on remonte et on va. Et je pense qu'on va couper là. Si jamais je trouve une gourde pendant que je rentre à la maison, tout simplement au camp et tout, je le mettrai, je le rajouterai, je rajouterai ça en morceau de vidéo pour vous montrer où je l'ai trouvé. J'espère que je vais pas me faire toucher. Oh mon dieu, c'est bon. Je rajouterai ça. Si jamais vous le voyez pas, bah du coup c'est que bah on n'a pas eu de chance et j'ai pas trouvé de gourde. Donc honnêtement je vais être assez triste, mais bon c'est comme ça. Et nous on se retrouve sûrement donc au lac mystère. Je vais me préparer. Je vais essayer de faire un travois qui est blindé, genre de bois et tout. Choisir les aliments qu'on va faire. Donc du coup on peut pas prendre vraiment les bouillons à moins qu'on prenne ceux qu'on a déjà créés. Je vais aussi créer des cafés, tout ça. Peut-être, je pense que je vais prendre aussi le gilet pare-balles. Et je le mettrai peut-être dans le travois, parce que le gilet pare-balles est quand même assez lourd. Mais voilà, on va s'équiper et tout ça, ça va être fun. Donc ouais. Mais voilà, je voulais vraiment montrer ce petit endroit-là, qui peut être intéressant si vous voulez explorer pendant les aurores boréales. En tout cas, on se retrouve un peu après. Nous sommes donc rentrés à notre camp principal. Je vais essayer de faire vite, je vais vous un peu, en gros, vous expliquer ce que je suis en train de faire et ce que je vais prendre. Donc, il y a une grosse tempête pour le moment à l'extérieur. Alors, j'ai pas déployé, le travois parce que j'ai peur en fait qu'il s'abîme avec le temps. Je sais pas s'il peut s'abîmer en fait avec le temps. Je sais que quand on le traîne, il s'abîme, mais je sais pas si le temps en fait va détériorer les pourcentages. Donc là, je suis en train de réunir en fait tous les objets que je veux mettre dans le travois. Donc on a notre gilet pare-balles, le pied de biche, parce que le pied de biche de toute façon, c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise souvent. Donc il est à 100% celui-là. On a un nécessaire de couture, une pierre à aiguiser. J'en ai aussi un de chaque dans mon inventaire qui sont aussi à 100%. On a un ouvre-boîte parce que pourquoi pas, 3 fusées, une fusée nautique, jerrycan, donc ça c'est le 5ème jerrycan du coup que j'ai. C'est le celui qui a le plus de liquide, donc 2,96, donc ça c'est bien, et après j'en ai 4 autres ici. Donc c'est plutôt cool, mais encore une fois il n'y a pas de mécanique parce que Interland sont des gens très très fainéants, du coup ils n'ont jamais mis de mécanique pour transvaser les liquides d'un récipient à l'autre, mais c'est pas grave, donc ça c'est celui qui en a le plus, donc on va le prendre, on va le mettre aussi dans le travois. Les outils de qualité, je me suis dit pourquoi pas prendre des outils de qualité, parce que de toute façon j'en ai plein, j'en fais la collection, j'ai un bleu là, un rouge là, j'ai 2 rouges ici, un bleu là, là j'ai encore 2 rouges et un bleu, enfin voilà, c'est pas vraiment des trucs qu'on utilise souvent, donc je me suis dit vu qu'on va utiliser le travois, pourquoi pas à la limite en prendre un avec nous. Après on a la lampe torche bien sûr pour éviter de consommer du carburant si jamais on a une aurore boréale et qu'on est dans une mine ou un truc comme ça. On a donc une poêle à frire et un faitout, et après sur moi je vais garder 2 conserves à recycler. Et après nous avons des stimulants d'urgence. Alors les 3 stimulants là, ça je vais les mettre dans le travois, même si dans un sens c'est pas lourd, donc j'ai pas vraiment de les... Enfin bref, c'est pas grave. Et après je vais en prendre 3 sur moi. Alors pourquoi prendre autant de stimulants? Alors, de ce qu'on m'a dit, le poison en fait dans cette nouvelle zone peut être soigné seulement avec des stimulants d'urgence. Je trouve ça complètement abusé et incroyable en fait d'avoir fait ça. Mais si c'est vrai, bah du coup ça va être ultra méga dangereux. Voilà, donc ouais, faudra faire super attention à ça. Donc du coup on prend quasiment tous les stimulants que j'avais trouvés depuis ma survie, depuis qu'on a commencé notre survie. Donc voilà, on va tout utiliser en une fois, c'est super. Donc on a ça, on a un arc à 100% ici, j'ai un arc aussi sur moi à 100%, j'en ai fait un autre.
J'en ai plein des arcs en fait maintenant, parce qu'à chaque fois que quand je rentre ici, j'en prends un, je l'utilise, et après quand je pars, j'en refais un pour avoir 100%, et quand je reviens, il est utilisé, donc je le repose par terre, donc j'ai des arcs avec plein de pourcentages différents à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, on en aura un dans le travois, on en aura un sur nous, donc on n'a pas besoin de trouver des bois pour crafter des arcs, donc ça c'est bien. Une quarantaine de flèches, je pense que c'est pas mal, j'en mettrai une vingtaine dans le travois. Je pense qu'une quarantaine de flèches, on va pouvoir être tranquille pendant un petit moment. Ça fait beaucoup de loups et d'ours ou quoi que ce soit à tuer quand même. Bien sûr, couteau de chasse, hachette et tout ça à 100%. Si à métaux aussi, ça, c'est une je crois que je l'avais réparée ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais elle est à 100% aussi. Le sac de couchage, il faut que je l'inverse. On va prendre celui en peau d'ours, hein, évidemment, pour tenir au chaud. 10 lignes, 10 hameçons. Pour la nourriture. Alors pour la nourriture, on a des problèmes. Parce que, encore une fois, cette mise à jour vient avec des bugs. Hein, parce que sinon, ce serait pas Interland. Donc par exemple, les bouillons sont complètement inutiles. Ils sont complètement cassés. Ils ne fonctionnent pas. Vous voyez que là, on a plus de différentes... Genre 4... c'est des tasses, je crois. C'était 4 tasses de bouillon. Là, ça ne marche plus. Donc ils pèsent 2 fois plus lourd. Et ils sont... ils donnent 0 calories, donc voilà, donc ne pas en crafter et ne pas les utiliser, donc ça c'est bien, donc ça limite un peu ce qu'on peut prendre. Pour ce qui est de la nourriture, je pense que je vais privilégier, alors je pourrais prendre des massettes, parce que j'en ai quelques-unes ici, mais je pense que je vais privilégier ça, donc les glands cuits, parce qu'ils sont très légers, et c'est 400 l'un, donc déjà là on a 400 x 13 par exemple, donc ça c'est une bonne chose, donc je pense utiliser ça. Après, une autre chose, c'est qu'il me reste des glands broyés. Alors, je sais qu'on peut les transformer en café, mais aussi on peut... Déjà, il faut que j'en fasse, parce que je ne me rappelle plus exactement combien de calories ça donne et ce que ça fait. Mais surtout, je crois qu'on peut les utiliser dans la cuisine. En parlant de cuisine, il va falloir que je réfléchisse sur quoi faire. Alors déjà, on m'avait donné un peu des conseils par rapport à quoi faire, en gros, en corrélation avec le poids et les calories. Mais il va falloir prendre des choses en fait qu'il n'a pas, qui ne dispose pas en fait de poisson ou de viande, parce que sinon, si on en a plein sur nous, du coup, on va sentir la barbaque et on va se faire attaquer par des loups. Donc faut que je réfléchisse un peu à ça. Donc je crois qu'il y avait pancake au gland. On m'avait dit que c'était pas mal. Parce que bon, c'est quand même 0,15. Donc c'est très très bas. Hein, et ça fait 900 de calories. Donc c'est nettement mieux que par exemple un steak de 1 kg d'un cerf par exemple. Le steak d'un kilo de cerf, pour moi, c'est 1000 calories. Et c'est 1 kg hein, du coup. Mais là, c'est 0,15 pour 900. Donc par exemple ça, je pense que c'est une bonne chose à faire. Ça demande pas beaucoup de sirop d'érable, pas beaucoup d'huile et j'ai des glands broyés. Donc ça c'est une bonne chose je pense. Mais je vais voir pour le reste. Je vais voir un peu ce que je peux faire pour le reste. Là ça demande des pêches au sirop. Les pêches j'en ai pas beaucoup. Donc ça je dirais non. Mais voilà, j'ai des trucs encore mais il faut que je vois en fait quoi faire. Tiens, on va prendre... Ouais, tiens. Elle est bien à 100%. Hein. Ouais. On va prendre une bombe. Tiens, quand on va partir comme ça en vacances, ouais, des belles vacances. Hein. Quand on va partir en vacances comme ça avec le travaux, on va prendre des bombes de peinture aussi. Du coup, ça c'est bien. Donc il y a ça. Le duvet, il faut que j'en prenne. Je crois que j'en ai dans les tiroirs là-bas. Il faut que j'en prenne une vingtaine en tout parce que s'il faut, on va pas avoir d'oiseaux dans la nouvelle zone. Et il faut que j'ai des duvets en fait pour pouvoir réparer ça parce que c'est super utile. Donc voilà, j'ai encore des glands à décortiquer. J'en ai encore par terre si jamais. En parlant aussi de boissons, donc j'ai pas eu de chance hein, évidemment, j'ai pas eu de thermos. Pour le moment j'ai pas de thermos, donc j'espère vraiment en trouver un dans la nouvelle zone. Mais bon, pour le moment on n'a pas eu de chance, donc ça m'embête. Et je suis en train de refaire en fait mes boissons. Parce qu'il me reste que ça en fait qui est à 125. Et tout le reste c'est des vieux trucs en fait. Genre tout ça là c'est du 100 ou 110. En gros c'est ce qu'on a trouvé ou ce qu'on a fait il y a très 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 longtemps. Et que du coup je n'ai jamais consommé parce que c'est vrai que tout ça en fait je le consomme pas vraiment. Alors maintenant aussi quand je suis rentré, donc j'ai fait la zone entre la...
l'autoroute côtière est ici, et vous avez la petite zone là où j'avais dit qu'il y a énormément d'écorce. Donc encore une fois, vu qu'on a passé quelques jours, il y avait énormément d'écorce de bouleau. Donc j'en ai une 22 ici, je crois que j'en ai encore plus dans les tiroirs qui sont préparés déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pas mal de c'est quoi, c'est des tisanes de bouleau. Parce que les tisanes de bouleau, en fait, sont renouvelables. C'est le seul, au final, c'est la seule tisane, en fait, renouvelable du jeu. Tout le reste, café, tisane, celle-là, et quoi d'autre encore même pour ça, en fait, même pour les thés et de champignons et de baies, désolé, j'ai du mal à trouver les mots, même ça, ça va s'épuiser au bout d'un moment. Donc, du coup, je pensais faire plein de tisanes de bouleau, genre une peut-être 5 ou 10 même, et les mettre dans le travois. Tout mettre dans le travois, en fait. Et en gros, si jamais, alors j'espère encore une fois qu'on trouvera un thermos, si jamais on a un thermos, on va utiliser en fait ces tisanes-là pour les garder au chaud. Parce que techniquement, honnêtement, c'est la meilleure des choses à faire. De 1, c'est les seules qui sont renouvelables, évidemment, donc ça, ça gagne en fait surtout. Mais surtout, c'est que les tasses de tisane normales, par exemple, ça c'est bien en fait si vous dormez. Donc ça va pas nous aider. Et si on met plein de café en fait dans un thermos, ben du coup on va jamais être fatigué et ça va être très compliqué en fait pour passer les nuits et pour dormir. Donc ça risque de poser problème aussi. Donc du coup je conseillerais pas d'utiliser les cafés en fait pour se réchauffer. Le seul liquide qui est vraiment très très intéressant, ça reste les tisanes de bouleau. Je pense que c'est le plus intéressant. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelques allumettes, j'en ai pris une quarantaine. Normalement, je me balade toujours avec une vingtaine, mais là, on va prendre le double. Je vais prendre peut-être un fire steel en plus, je suis pas encore sûr. On garde la loupe, bien entendu. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc, je vais devoir un peu réfléchir. À ce que je prends pour comme nourriture et à ce que je fais, parce que j'ai quand même pas mal de choix, hein, au fur et à mesure j'ai quand même récolté beaucoup de choses. Mais il faut vraiment que je fasse attention par rapport à la nourriture qui a de la viande à l'intérieur, donc ça il faut pas que j'en fasse. Mais voilà, je vais faire une pause, je vais tout cuire, tout faire, et nous on se retrouve sûrement pour la suite et on partira en fait pour les nouvelles zones. Donc en tout cas, les nouvelles zones, il faut repartir en fait vers l'aéroport. Et après, à un moment, il faut pas tourner vers l'aéroport, il faut tourner vers les mines. Donc je sais plus ou moins où ça se trouve. En théorie, on devrait pas avoir de problème à se balader avec le travois. J'espère, et du coup, bah, ça nous fera un peu notre première expérience avec le travois. Donc c'est pour ça que je veux bien me préparer, le blinder et voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, on se revoit encore tout à l'heure. Alors petit update sur ce qui se passe. Donc je suis en train de faire la cuisine maintenant. Donc j'ai pris des choses qui me restaient. Il y a aussi le sac de couchage en peau d'ours, il faut que je le répare. Il y a encore pas mal de choses à faire, honnêtement. Donc je suis pas encore parti, mais je vais couper évidemment. Donc j'ai fait des tisanes, des cafés 125 et tout ça. Là c'est bon, j'en ai encore pris 5 autres nouvelles boîtes, parce que j'en ai encore plein qui traînent partout. J'avais ça, donc honnêtement je suis un peu triste que ça ressemble à ça à chaque fois. Parce que vu que c'est un mangeable, parce que ça fait très longtemps que c'est là, donc c'est super moche. Je vais être honnête, j'aimais bien le bug où en fait le skin des aliments et tout ne changeait pas. Il restait comme si on était à 100%. Donc honnêtement ça me manque, mais bon voilà, c'est comme ça que ça c'est maintenant. Donc ça je peux pas le mettre dans le travois parce que sinon ça disparaît. Donc j'avais fait des tours de tracker x2, donc tour de tracker c'est avec de la viande par contre, donc faut faire attention. C'est ici, donc viande d'ours et viande de loup, donc ça c'est bien. Donc on peut pas les mettre dans le travois, mais on va les garder sur nous je pense. Donc c'est pas lourd, c'est 0,30 pour 2000 calories, donc c'est très 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 bien. On va utiliser ça, donc je pense qu'on va manger ça. Après j'avais aussi fait des pancakes au gland à l'époque, donc voilà, c'est 0,15 pour 900 évidemment. Donc là on a beaucoup de calories pour très peu de poids. On est 3,6, on est même pas à 1 kg et on a 4, 5, quasiment 5000 calories. Donc c'est très très bon. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça. On va bien faire ça. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, pourquoi il y a... Ok, d'accord. Je vois pas pourquoi il y avait un trou, c'est pas grave. On va faire des pancakes au gland. J'ai vu qu'il y avait ceux-là aussi qui sont vraiment pas mal. Donc pour le même poids, on a un peu plus de calories. Par contre, bon après ça on s'en fout. Par contre, ça demande des pêches au sirop. Alors des pêches au sirop, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 1, 2, 3...
Et ça demande une canette à chaque fois, en fait, une conserve. Je pense que je vais prendre celui-là, vu qu'on l'avait déjà ouvert il y a très très longtemps. Je pense que je vais en faire. Je pense que je vais en faire un, parce que j'ai 6 normalement broyés. J'ai 6 glands broyés, donc on peut faire un Lily et après 5 pancakes aux glands normaux. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est bête que ça soit le truc entier en fait pour les pêches. C'est vraiment bête. Après c'est 0,05, 0,05, donc il faut du sirop d'érable et de l'huile. Donc ça, de l'huile, on en a. Sirop d'érable, je crois qu'on en a là. Un, deux. Non, ça c'est du café. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, cool. Par contre, je crois que j'en avais utilisé. Il y en a un qui doit être entamé, mais je sais plus lequel. Oh là là, quel bordel. J'arrive pas à attraper le truc derrière. Ah. Ouais, celui-là, il était entamé. Je savais bien que j'avais entamé un truc. Donc on va faire ça. Je vais vous montrer le travail. Il commence à être pas mal blindé. On est déjà à 30 kilos, je crois. Au final, quand on se prépare, si on veut vraiment se préparer pour des grandes choses, ça prend du poids. Donc ça, c'est mes deux feux. Donc j'ai fait plein de tasses avec ça. Avant de préparer les choses, je vais vous montrer le travail vite fait. Donc je l'ai mis là. Donc bon, il est toujours à 100%, je suis content. Pour l'instant, il s'est pas abîmé. Après, il fait beau, hein, donc ça va. On a eu une super tempête qui a duré 2 jours. Hein. Parce que entre le petit morceau d'avant et maintenant, il y a 2 jours qui se sont passés. Ouais, donc c'est un peu la merde. Donc j'ai mis un arc, j'ai mis une cinquantaine de bâtons. Je pense pas que je vais prendre les gros bois, mais voilà, une cinquantaine de bâtons. J'ai mis un peu d'eau, j'ai mis tout ce que j'avais dit. Donc ça se passe bien. Après, j'ai mis deux tisanes, un thé. En gros, c'est pour avoir deux et. Ah bah tiens, je peux en mettre. Ouais, non, non, mais je vais en garder trois de ça, juste au cas où. Mais voilà, donc j'ai mis ça. J'ai mis ça. Et là, les tisanes de bouleau, j'en ai mis encore quelques-unes. Il faut que j'en fasse un peu plus. Il faut que j'en fasse un peu plus, mais il faut que je prépare les bois. Hein, parce que j'ai. Enfin, les écorces, pardon. Les écorces, elles sont où? Elles sont où quand elles sont pas préparées? Ouais, écorce de bouleau. Ouais, il faut que je les prépare. Et après, j'en ai encore d'autres à la maison si jamais j'en ai pas assez. Mais voilà, je voudrais avoir au moins une dizaine ou une quinzaine de thé. Donc on est à 31 kilos déjà. Donc ça va être fun. Mais au moins, on est prêt pour le long voyage. Donc honnêtement, c'est super fun de se préparer. Ça, c'est un truc que j'avais dit. J'avais vraiment dit. Je l'avais prévenu que ça allait être super fun en fait de se préparer. Donc on va faire celui-là. Et ouais, et salé. Honnêtement, salé. C'est salé vraiment, vraiment. C'est vraiment fun de faire ça. Pancake au gland. Le problème avec les pancakes et la nourriture, en fait, c'est que la plupart du temps, ça va être prêt avant que vous fassiez un deuxième. Donc c'est un peu chiant. Ce serait bien de pouvoir les préparer et après les faire cuire tous en même temps. Donc du coup j'ai même pas besoin de deux feux, c'est un peu nul, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il manque? Waouh, le sirop de... What? What? Ah, y avait aussi peu de sirop d'érable? Bah merde alors. Ah, ça part vite, hein. Ça part vite cette merde. Eh ben... Ça part très vite. Donc ouais, c'est comme ça que je me prépare. J'aime bien montrer ça parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder genre comment on ménage nos ressources et tout ça. Donc voilà, du coup, voilà, vous pouvez voir. Donc très bien, on peut encore en faire 3. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'on puisse préparer et après tout mettre d'un coup. Ça aurait été vraiment cool. Je pense. Enfin bref, après ça change pas grand chose, j'imagine. Le seul qui est la chose en fait qui est embêtante, pourquoi j'en parle, c'est parce que si vous prenez de. Alors ça, les pancakes, je pense pas que ça se stack. Mais pour tout ce qui est objet en fait qui se stack, quand il y en a un à 100% et l'autre qui est à 99% le temps que ça cuise. Ah bah super, on a un vent qui se fait. Ça fout un peu la merde. Voilà, très bien. On va rentrer. Avant qu'il fasse trop de vent.
Normalement, les feuilles sont assez protégées. Et puis, honnêtement, j'ai des tonnes et des tonnes de bois. Donc, je peux faire du feu de tous les côtés de la maison. Il n'y a pas de problème. J'ai des tonnes et des tonnes de bois. Donc, voilà. Du coup, ça va ressembler à ça. Ouais, ça stack pas. Hein. Ouais, ça stack pas. Attendez, on va juste tester au pire. Mais si je fais ça et je les prends comme ça. Parce que la plupart du temps, le jeu veut stack les choses. Je vais vous montrer le bordel que c'est pour des choses qui sont genre comme ça. Genre là, vous voyez que maintenant, on sent la barbaque. J'avais vraiment lutté en fait pour les choses comme ça. Donc là on en pose deux, donc il y en a deux là. Et vous voyez que ça stack pas automatiquement. C'est une catastrophe. Ce système honnêtement c'est une catastrophe. Et ça c'est depuis que la nourriture a changé. Donc je crois que j'avais tout jeté. Et vous ramassez tout à la suite. Putain non même pas ça marche pas. Oh la vache. Oh la vache. C'est la merde. Vous voyez pourquoi je veux pas prendre ça avec moi? Ok, maintenant on a 6 et 6. Ok, ça marche. Pourquoi? Je sais pas. Ok, maintenant on a 6 et 6. Vous voyez le problème que ça crée? Parce que du coup, en fait, ça compte... Maintenant, je sens la barbaque, vous voyez? Ça compte pour 2, en fait, au lieu de compter pour 1. Parce que si c'est un stack, ça compte pour 1. Si c'est 2 séparés comme ça, ça compte pour 2. Donc c'est vraiment horrible. Honnêtement, c'est super, super horrible, ces trucs-là. Et honnêtement, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de les utiliser. Donc il faudrait vraiment garder des stacks entiers, tout le temps dans l'inventaire. Faudrait pas les mettre par terre du tout. Faut pas les dissocier. C'est vraiment, vraiment très, très chiant, ce système. Enfin bref, on a nos pancakes. Donc 1000 calories pour 0,15 à chaque fois, donc c'est très très bon. On a celui-là, on a le vieux, et oh, vous voyez, déjà 99%, super. Et après, donc on a le spécial qu'on gardera de côté, donc ça c'est 0,20 pour un peu plus de calories. Donc ouais, ça se passe bien. Honnêtement, on va pas être trop lourd, on va avoir énormément et des tonnes de calories. Et pour genre 2 kilos, genre un truc comme ça, ou peut-être 3 kilos maximum. Et on va avoir genre 15 000 de calories peut-être, un truc comme ça. Donc c'est vraiment bien, ça va nous durer très très longtemps. Et voilà, on est genre à peine à 53 kilos, là j'ai quasiment pas augmenté. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc ouais, donc moi je vais continuer, ça va me rendre fou par contre. Enfin bref, je vais continuer mes choses, je vais faire un peu plus de gland, parce que ça aussi c'est vraiment une des choses les plus intéressantes. Donc ouais, 0,12, 400 calories, c'est énorme. Donc ouais, on va faire ça. Et il faut que je les utilise aussi pour en faire de la poudre. Parce que comme on a vu, hein, là j'avais du gland broyé. Et c'est vrai que j'en ai pas, et le mieux ça serait genre d'en utiliser genre 399, et après avec ce qui vous reste, vous les broyez, et comme ça vous pouvez faire un pancake. Donc du coup vous faites un cercle, c'est super facile en fait de faire ça, et ça donne énormément de calories. Ils sont déjà tous à 99, c'est incroyable, ce système de nourriture c'est vraiment extrêmement chiant. Si vous n'êtes pas... cuisine niveau 5, vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Vous pouvez pas l'utiliser en fait, au final. Vous pouvez même pas l'utiliser. Parce qu'il faut manger directement. Parce que après, le lendemain, c'est pourri et vous allez être malade. Donc il faut vraiment avoir cuisine niveau 5. Mes vêtements sont quasiment tous à 100%. Il y a peut-être ça et ça qu'il faudra que je fasse. Il faut que je répare. Donc les manteaux, ça va. Il faut que je répare le sac de couchage encore. Et normalement, on sera bon. Donc, j'ai même pris une fourrure et tout pour le faire pendant que ça cuit. Donc ouais. En tout cas, on se retrouve encore une fois un peu plus tard. Et on partira pour la nouvelle zone. On va sûrement pas y arriver parce que ça va prendre du temps. Et déjà, on a bouffé, je pense, 30 minutes de l'épisode rien qu'avec la préparation. Mais voilà, je voulais vous montrer en fait les nouvelles mécaniques et comment on allait fonctionner en fait avec les nouvelles mécaniques. Donc voilà. En tout cas, sûrement encore une fois, à tout de suite. Ok, donc nous sommes enfin prêts. Il y a aussi une chose où j'en ai pas parlé et j'y ai pensé en fait pendant que j'étais en train de blinder le... Alors, on va partir, je pense qu'on est bon. Attendez, je fais juste une dernière vérification. J'arrive à faire 35 kilos. Honnêtement, c'est très potable. Et 35 kilos, je peux genre laisser mon travois courir et on survivra encore. Donc il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas en position où il nous faut absolument le travois pour survivre. Vous voyez ce que je veux dire? On a une dizaine de flèches sur nous, on a un arc, nos vêtements sont bons et tout ça. On a plein de nourriture, on a plein d'eau. Donc il n'y a pas de problème. Donc 35 kilos, c'est tranquille. Honnêtement, on peut même baisser encore plus.
Si j'enlève quelques, genre la hachette, des trucs comme ça, on peut même baisser. J'ai même le sac de couchage en peau d'ours, donc on peut même enlever. Et voilà. Mais du coup, le travois, il a une quarantaine de kilos à l'intérieur maintenant. Mais bon, c'est tout ça pour dire qu'on est vraiment bien et on se déplace bien. Donc on a eu de la chance, il fait un beau temps. Encore, j'ai fait encore un petit feu. Bon, le feu il s'est éteint pendant la nuit parce que je dormais, mais c'est pas grave. J'en ai fait un parce que je voudrais mettre du coup un café. Alors, attendez, parce que j'en ai pris un vieux. Ouais, 100, voilà. Et après, tous les autres, ils sont à 125, donc on est nickel. Donc j'ai fait... Bon, on est à 79% déjà. Donc on a plein de pancakes. Je crois qu'on a à peu près 15 000 calories ou un truc comme ça. J'ai les glands qui sont dans le sac. Donc voilà, parce que ça pesait... En fait, c'est plus lourd. Genre, les pancakes, c'est beaucoup moins lourd par rapport aux calories, donc je préférais garder ça sur moi. J'ai 5, j'ai mis 5 de chaque aussi, tranquillement. Ah bah merde, d'accord, okay, c'était assez proche apparemment. Par contre, j'ai pas soif. Donc je crois que je vais pas pouvoir boire le café directement. Ça c'est un peu embêtant. 42 allumettes, un fire steel, donc c'est celui-là qui est en le meilleur état pour moi. Une loupe. voilà. Donc on va prendre ça. Voilà. Est-ce que j'ai fait... Oui, aussi j'ai... Oui, on est bon. J'ai bu une tisane avant qu'on commence. Donc voilà, ça c'est le truc. J'ai même mis des bardanes, j'en avais quelques-unes, je me suis dit pourquoi pas au cas où. Donc ça c'est le tout à l'intérieur. Donc voilà, il y a beaucoup de tisanes de bouleau parce que voilà, il y en avait plein. Et aussi j'ai fait des torches, du coup. C'est vrai que j'avais pas pensé à faire des torches. Donc j'ai fait des torches à 100%, donc 3 torches. Elles sont super lourdes en fait, les torches. Hein. Et j'ai pris des tissus, donc j'en ai une vingtaine sur moi et une vingtaine en fait dans le sac et j'ai des bâtons. Alors on y va. Alors pourquoi? Parce que il y a une chose qu'on n'utilise quasiment jamais dans le jeu. Je suis sûr que vous savez quoi. Ce sont les igloos. Alors personnellement, j'utilise jamais les igloos. Pourquoi? Parce que ça demande du tissu à chaque fois. Et le problème, c'est que c'est 5 tissus. Et après, c'est 15 bâtons. Donc 15 bâtons, à la limite, on peut les trouver. Après, ça dépend bien sûr des zones. Hein, mais on peut les trouver plus ou moins facilement. Mais à chaque fois, en fait, balancer 5 tissus, c'est un peu chiant. Et surtout, c'est lourd. C'est ça le problème. C'est lourd. Au bout d'un moment, avoir beaucoup de tissus sur soi, c'est quand même extrêmement lourd et extrêmement chiant. Et du coup, bah, c'est pas quelque chose vraiment que je garde personnellement. J'ai toujours une vingtaine de tissus, mais les vingtaines de tissus, c'est vraiment pour mon équipement. Tout simplement. T'es sérieux là? C'est vraiment pour mes vêtements en fait. Ok, commence bien. Donc, j'adore le fait qu'on puisse le jeter. Et ça, ils ont vraiment bien fait. Parce que s'il y avait une animation pour le poser par terre, oh, j'aurais pété un câble. Le truc, je l'utiliserai jamais. Enfin bref, donc ça c'est très bien. Mais ouais, les igloos c'est vachement bien du coup. Et vu qu'on peut du coup utiliser le travois et ça veut dire qu'on peut trimballer, genre par exemple là j'ai une cinquantaine de bâtons dans le travois avec du tissu, et ben techniquement on peut dormir où on veut. On peut même dormir en plein milieu, on fait un igloo, donc il faut 15 bâtons et 5 tissus. À chaque fois je pense que c'est une quinzaine de tissus, mais en fait c'est l'inverse. Donc on fait ça. On a le sac de couchage en ours qui est extrêmement chaud. Et on est nickel, on peut même dormir pendant un blizzard et tout, il y a zéro problème, il y a vraiment zéro problème. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose aussi, le travail. Et j'avais pas pensé à ça, j'avais vraiment pas pensé à ce système là aussi, d'avoir une réserve de bateaux en fait. Donc ouais, on va assez vite, c'est bien. Le gros problème en fait du travail, je pense que ça va être si jamais le temps est très mauvais... Et il faudrait s'arrêter, faire un igloo en fait, tout simplement. Mais honnêtement, c'est vachement intéressant ce système, c'est vachement intéressant. Je pense que, encore une fois, c'est un truc qu'ils auraient dû rajouter. À la limite, ce qu'ils auraient pu faire aussi pour s'ils voulaient. En fait, le travois, j'ai envie de dire personnellement, parce que je le trouve vraiment bien. Est-ce qu'on peut passer les rails ou pas? Normalement, oui. Hein. Parce que si on peut pas, ouais, on peut même aller dessus, hein, ça va. Mais t'es sérieux là? Après, j'ai passé beaucoup de jours, donc tous les loups sont revenus. Ah, là, 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 là. 97%, t'es sérieux? Comment on le répare? Ah ouais, le machin, il s'use super vite. Oh merde. Ah, ils ont merdé, là, par contre.
On n'est même pas sorti de la zone, on a déjà fait 3%, quoi. Oh, fait chier. Au pire, vous savez ce que je ferais? Je ferais une pause et je regarderai ce qu'il faut faire pour le réparer. Je crois que c'est une peau de serre, peut-être, et peut-être des bois. Au pire, entre deux épisodes, je ferai un aller-retour ici et je prendrai du matériel pour réparer en fait le travois. Si jamais on trouve pas de bestioles en fait dans la nouvelle zone. Est-ce qu'on va pouvoir passer ou pas? Ouais, ça va. Encore. Ouais. Donc ouais, ça c'est un peu embêtant. Bah ouais, il s'abîme super vite. Bon bah ça c'est le gros problème du travaux par contre. Hein. Wow. Qu'est-ce que... Non, devant. Okay, putain, ah, y a des problèmes quand on passe les zones apparemment. Je vais voir un peu. Ouais, 95. Ah non, ouais, c'est abusé quoi. Oh la vache. Et je crois qu'il faut que je le vide. Ouais, jeter tout. Ouais, on peut tout jeter. Je crois qu'il faut que je le vide, que je le prenne dans l'inventaire pour le réparer. Ah putain, mais ça me fait chier, ça va. Ouais, j'avoue que je suis pas fan. J'ai envie de faire un demi-tour, prendre... genre tester en fait ce qu'il faut pour le réparer. Ah putain. Ah, c'est pas grave. Je me débrouillerai entre deux épisodes, y a pas de problème. C'est pas important. On a encore des loups à gauche. Ah mais c'est incroyable quoi. Incroyable. Ça va tellement me stresser, la durabilité du travois. Ça va me stresser de ouf. Enfin bref, donc voilà, vous le savez maintenant, si vous prenez un travaux avec vous, mettez aussi du matériel pour le réparer à l'intérieur, parce que sinon ça va être la galère. Et là, le temps qu'on arrive dans la nouvelle zone, il va sûrement être à 50%, donc ça fait un peu chier. Mais ouais. Alors après, ce qu'ils auraient pu faire aussi, c'est une nouvelle compétence par rapport aux travaux. J'aurais vraiment kiffé ça. Ça serait genre, plus vous l'utilisez et plus vous pouvez aller vite. Par exemple avec. Donc ça serait vraiment une bonne chose. Ou genre vous pourrez même, par exemple au niveau 5, vous pouvez même sprinter avec le travois, vous voyez. Genre peut-être pas pour beaucoup, genre 50% de moins que d'habitude. Mais vous pouvez sprinter, ça serait intéressant. Ah, on pourrait faire plein de trucs honnêtement. À chaque fois ils ont des bonnes idées. Ou des fois des très bonnes idées comme le travois. Mais j'ai l'impression que ça va pas assez loin. Moi je... Ah, le jeu, moi il reste tellement loin. Il irait tellement loin. Hop, ça c'est la carte. Voilà. Et on peut se mettre en auto-walk. Là c'est ce que j'ai fait. Vu qu'on peut pas sprinter de toute façon. Donc là hop, j'ai même pas les mains sur le clavier. Donc ça c'est cool. Fais voir un peu notre... Ouais, on a un peu froid mais bon c'est pas grave. C'est comme ça. Mais ouais, super fun. Honnêtement le travois ça devrait être le... On va dire le sujet principal du jeu. Parce qu'au final, le sujet principal du jeu, c'est quoi? C'est votre sac. C'est votre sac, c'est votre inventaire. Et bien, le travois, ça devrait devenir le deuxième sujet principal du jeu. Vous pouvez le customiser et tout ça. J'aurais bien voulu qu'on puisse attacher des choses au travois directement. Genre qu'on voie dessus. Si par exemple, vous mettez un faitout à l'intérieur, il y a des jeux qui font ça. Il y a plein de jeux qui font ce système-là et c'est super bien. Par exemple, vous mettez... on va tourner... Ah non, on peut passer là. Vous mettez un faitout à l'intérieur, et bien le faitout, vous le voyez accroché au travois à l'extérieur. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça aurait pu être stylé, point de vue skin. On va faire ligne droite. Ouais, vous voyez, c'est vraiment que le vent qui est froid. Donc, quand on est protégé du vent, on n'a pas froid. Donc, ouais, c'est vraiment que le vent. On aura moins de vent quand on sera dans la prochaine zone. Faudra qu'on regarde quand on passera la zone aussi, si on a encore un problème d'aller à gauche, parce que mon personnage apparemment était directement sur la gauche, donc c'est un peu étrange. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre sur les rails, mais honnêtement, ça aurait été une horreur si on pouvait pas. Donc ça c'est bien. Après la question serait, est-ce que différents terrains l'abîment plus vite ou pas?
En théorie, je dirais que de me mettre sur les rails, ça serait plus. Ça l'abîmerait plus vite, mais je pense pas qu'il y ait une différence, honnêtement. Fais voir un peu. 80. Oh la vache. Oh la merde. Vous savez ce qu'on va faire? Je pense que dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est. On va avancer le plus possible, il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va sûrement peut-être atteindre la zone, ou alors on va camper juste avant de placer la zone. Et ce que je vais faire, moi, je vais faire un demi-tour. entre maintenant et le prochain, je vais faire un demi-tour et je vais récupérer du matos. Pour réparer. Parce qu'on peut pas faire ça, là ça va être un peu la galère. Surtout que s'il faut du matériel genre de la peau ou alors des bois, il faut les sécher et ça prend plusieurs jours, donc non. On va pas attendre. Je vais aller prendre des ressources. Ah là là, ça c'est bête. Ça. J'aurais bien voulu y penser avant. Enfin, le savoir avant qu'il s'abîmait aussi rapidement. Ah, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'à 35 kg, c'est pas mal. Notre vitesse est très bonne. Honnêtement, sans sprinter. Alors, attends. Après la question. Ah tiens, une question. Est-ce que le travois peut tomber dans l'eau? Si jamais la glace casse et qu'on le laisse et on court pour se mettre à l'abri. C'est un ours là-bas ou c'est un caillou? Ah, fait chier, c'est un ours. Évidemment, c'est un ours. Ah, comment je peux passer, moi? Et en plus, il est proche des rails, ce con. Ah, tu me... Ah, tu m'embêtes, toi. Ah, il va me flairer si je m'approche trop. Ah mon dieu. Ah, le truc chiant. Le truc chiant. Est-ce que je peux pas passer genre là, vous voyez, comme ça, là? Je peux pas passer comme ça, sinon il va me flairer. Faut qu'on attende qu'il passe. Je peux pas faire autrement. On va attendre qu'il passe, parce que on va tomber dans l'eau, sinon. On va attendre. Mais ouais, 35 kg sur 45, honnêtement, je suis jamais autant... aussi léger pour me balader, donc c'est une très bonne chose. Ça fait chier, on prend le vent là. Je peux pas m'abriter, rien. Les igloos. Ça c'est bien. Il est juste là. Il est juste là. Il est juste en face. Alors un truc, c'est qu'on peut pas. Ouais, je peux pas le déplacer. Quand il est par terre. Donc il va falloir faire le camion. Genre marche arrière, attention, faire un créneau et tout ça. Donc ce que je voudrais bien l'inverser pour qu'on reparte comme ça directement. Mais là on peut pas. Il est ouf. Ok, il est là. Je le vois, là il bouge. Il a passé la petite dune là. On le voit encore un peu. Ok. On y va. Alors, attendez, comment on fait ça? Comme ça. Voilà. On est bon. Après, si c'est des pots de serre,
J'aurais bien voulu que, honnêtement, le travois soit en peau de loup, parce que les loups, on les utilise pour plus rien du tout, c'est un peu triste. Et j'en ai des tonnes et des tonnes de loups. On les tue tout le temps, en fait, les loups, ça c'est un peu bête. J'aurais bien voulu qu'on puisse faire des choses avec les peaux de loup. Mais ça doit être des peaux de cerf, je crois que donc du coup les peaux de cerf c'est 1 kilo l'une. Donc ouais, ça fait un peu plus de poids. Donc, bon, genre à mettre dans le travois. Ouais, en gros les travois, faudrait toujours qu'ils aient du matériel pour les réparer. Ça serait bien. Mais ouais, ils auraient pu faire encore plein de trucs. Honnêtement, je... Attends, je peux passer par là? Il y a un bout de bois. Je peux passer au-dessus? Oh, yes, on peut passer au-dessus. Ok, nickel. J'avais peur qu'on puisse pas, en fait. Mais je comprends pas pourquoi Interland a du mal à voir que... Rien que le rajout du travois, ça va émerveiller tout le monde. Genre, tout le monde va kiffer de ouf. Je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à voir ça. Parce que honnêtement, c'est vraiment le truc le plus fun dans le jeu qui a été rajouté depuis très très longtemps, hein, honnêtement. C'est le plus fun. Là, je kiffe, moi, je suis en plein kiff. Ah, très bien. Après, il faut des thermos. Ah, j'espère qu'on va en trouver, sinon je vais être vraiment très très déçu. Hein. Je vais vraiment être super déçu. Que là, vous voyez, vu qu'on peut pas sprinter et tout, si on avait un thermos dans l'inventaire, on peut avoir accès. Oui, on peut avoir accès à l'inventaire. Si on avait un thermos et tout ça qui tient tout au chaud, je pense que là, ça sera encore au chaud. Donc, on pourrait les boire petit à petit et toujours être chaud parce que ça vous donne une petite dose de chaleur. Donc ouais, honnêtement, ça serait vraiment le top. Vraiment le top du top. Je crois que. Oh putain! Ouais, mais on est toujours sur le. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. Genre on regarde vers l'avant et quand j'appuie sur la touche pour aller vers l'avant, elle est sur le côté. Donc ouais, il y a vraiment un problème. Ça c'est embêtant ça. Alors l'endroit où je voudrais m'arrêter, j'espère que ça va pas être trop long parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps pour les préparations et tout ça vu que je voulais les montrer. Et encore, j'ai coupé genre 90%. Je voudrais m'arrêter, donc c'est à l'endroit, si vous vous rappelez, c'est à l'endroit où il y a la gare en fait, vous voyez? Parce que ça va être là l'intersection qu'on doit trouver. Si vous vous rappelez, oh putain, par où on passe là? Oh merde, oui je suis en train de me demander là, par où je vais passer là? Est-ce qu'on a un pont à prendre? Oh mince, je crois qu'on va arriver à notre premier problème. Oh là là. Attendez, j'ai pas besoin de passer par là. Je peux passer après. Mais je crois qu'on va être bloqué avec un pont. Mais voilà, si vous vous rappelez, il y avait une affiche, il y avait un panneau en fait, qui vous disait genre l'aéroport, et à un endroit il y avait écrit mine sur ce même panneau, et en gros c'est ça. Une zone minage ou un truc comme ça. Ah, parce que là je peux pas monter directement. Oh la vache, je vais devoir tout débarrasser. Oh mon dieu. Si déjà je peux le descendre jusqu'en bas, ça serait bien. Okay. Mais ouais, le bois là qui est devant, on va devoir décharger le truc. Sauf si on me permet. Ah putain, c'est chiant. On me permet de le prendre, mais ça m'étonne rien. Le gros problème de tout décharger en fait, c'est de tout mettre dans l'inventaire et après de se rappeler de ce qu'on avait mis dans le travois. Enfin, en tout cas pour moi, ça va être ça le problème. Donc ça va être un peu galère.
Là, on est contre le vent, donc on est un peu lent. Ouais, non, mais là, je passe pas. Hein. On va voir. Allez, vas-y, on prie. Oh, ça passe! Oh, c'est énorme! Oh, putain! Waouh! Sérieux? Ah, moi, j'étais prêt à jeter tout par terre et prendre les objets, vous savez, les transporter, les déplacer d'un endroit à l'autre pour éviter que ça aille dans mon inventaire. Comme ça, je me rappelle de ce que j'ai mis dans le travaux. Ah, moi, j'étais prêt à faire ça, hein. J'étais prêt à faire ça. Ah, nickel. Bon, bah ça, c'est une bonne chose à savoir. On peut passer les ponts, même les ponts en bois, en fait. Enfin, d'arbres tombés. Ah, c'est nickel. Super bien. Ça, c'est cool. J'ai un peu peur de regarder les pourcentages. Bon, là, faut faire gaffe parce qu'il y a plein de loups. Il y a un truc bête. J'imagine qu'on peut pas... Ouais, on peut pas. Okay. Ouvrir la carte, jeter. Okay. Ouais, on ne peut plus prendre de lampe ou quoi que ce soit. Bon, c'est normal, hein, dans le sens. Mais par contre, là, il va falloir anticiper le virage. On dirait qu'on fait du rallye, quoi. Ah, par contre, c'est un peu chiant parce que je vois pas ce qu'il y a en fait sur mes côtés. Parce que je peux pas vraiment tourner la tête. Ça, encore une fois, hein. Ça fait au moins 5 ans que je le dis, hein. Rajouter une touche pour pouvoir tourner la tête en fait. Sans tourner le corps. Parce que là, ça serait vraiment utile. Vu qu'on est bloqué devant. J'ai l'impression d'être Batman. Vous savez, les premiers avec Nicholson et. Ah mince, comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié, putain. En plus, je l'ai vu dans The Flash il y a pas longtemps. Genre, la tenue de Batman, il pouvait pas tourner la tête. Donc, c'est pour ça qu'il a cet effet que quand il regarde à droite à gauche, en fait, c'est tout son buste qui tourne. C'est super, c'est super sympa de voir ça. Il y avait que ce Batman-là qui avait ça. On a des champignons, mais on va pas les prendre. Oh, c'est fun. Après, on a de la chance avec... de la chance avec le temps aussi, donc bon. Est-ce qu'on va pouvoir passer par là? Parce que là, c'est peut-être un peu compliqué. On va peut-être directement descendre pour remonter. Peut-être devoir descendre complètement pour remonter sur le côté. Ok, ça va. Pour le moment, bon, par rapport à la mise à jour, les gens sont vraiment pas vraiment contents pour le... Oh mon dieu, est-ce qu'on va pouvoir passer? Oh mon dieu, merci. Je pense qu'ils ont testé les chemins comme ça, même si les chemins ont l'air un peu dangereux par rapport aux travaux. Je pense qu'on va pouvoir les passer quand même. Parce que sinon, ça voudrait dire que le travaux, on peut vraiment pas l'utiliser du tout, quoi. Ouais, donc je pense que c'est pensé pour... c'est testé, ça. Mais ouais, les gens sont pas super contents. Alors, attendez. Parce que, vu que je vois pas vraiment le chemin... Ok, non, c'est bon. Y'a personne. Putain, 73%. Le fait qu'on puisse plus... Ouvrir les carcasses en fait avec les mains. Les gens sont vraiment pas contents de ça. Et je peux comprendre. Honnêtement, je comprends. Parce que ça va faire plus de 5 ans que c'est comme ça. Je vois pas pourquoi changer ça. Ils auraient dû. S'ils voulaient vraiment faire une sorte de petit roleplay où il faut vraiment que les animaux soient abîmés pour pouvoir les ouvrir, ou alors il faut des outils, ne pas le faire avec les lapins. Et honnêtement, gardez ça en tête. Je pense que ça va arriver. Parce que Interland a déjà fermé des conversations sur le forum de Steam. Ça me fait rire, parce qu'à chaque fois que ça se passe un peu mal pour eux, ils ferment directement les conversations. Genre, ils ont dit, on savait que les gens allaient, que pas tout le monde allait être heureux par rapport à ce changement, mais ça prendra du temps pour être accepté, on va fermer la conversation. Ok. Ça me fait rire, moi.
What? Ok, pourquoi il y a un pied de biche ici? Ça, c'est... Ah, c'est peut-être un pied de biche que j'avais laissé, que je voulais prendre, mais j'avais pas le... Ouais, j'avais peut-être pas le poids pour. On va le prendre avec nous. Ah oui, là par contre, ça risque d'être un problème. Ah! Là, peut-être qu'on va l'avoir le problème. Je sais pas, on va voir. Alors, attends, comment on passe? Oh putain, il va pas vouloir. Oh, je crois que c'est fait exprès. Je crois que cette zone, elle est fait exprès. Oh putain, attends. Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Il est chelou, en fait. Attends. Je crois que ça, c'est... Attends, normalement, c'est quoi? Et on passe là. Ouais, mais là, on va pas pouvoir, hein, si. Non, ils veulent pas. Non, ça doit être une barrière en fait. Ok, donc il faut passer comme ça. Et comme ça. Et après on peut reprendre le travaux. Hein. Ça marche. Bon, bah ça y est, on est arrivé à la limite du travaux. Alors attendez, est-ce que je voudrais... J'ai peur de perdre mon équipement si je fais jeter tout. J'ai un peu... Ah oui, j'ai pas... Oui. Peut-être que je boive et que je mange, moi, non? Aïe, aïe, aïe. Ça, on va manger ça. Ok, très bien. Alors, parce que je peux faire jeter tout. Normalement, tout va être par terre. Mais franchement, je crois que ça va être un peu chaud. Ça nous fait quoi? 40, 4, 5, 6, 7, 70. Et je vais pouvoir bouger ou pas? Oh putain. Non, je ne peux pas carry this any further. 80. Ouais, non, 80, je peux pas. Alors, 80. Ça. Hop, oh, pardon. C'est... Oui, c'est mieux de faire ça en fait. Ok, 50, je peux. Prendre, très bien. Alors, fais voir, bah tiens, tant qu'on y est. Tant qu'on y est, il est où le travail là? Action. Une peau et des boyaux. Merde, ah ouais, c'est chaud quand même. Ok, donc ouais, il nous faut du cerf absolument. Bon, ça va, en fait, j'ai pas... On va le mettre là. Au final, ça va, ça passe. Mon poids. Ah, par contre, c'est un peu la galère. 3... Ça, c'est super lourd, les bardanes. Honnêtement, je suis un peu... J'aurais peut-être pas dû les prendre. J'aurais peut-être pas dû les prendre sur moi. Bon, au final, ça va. Je me rappelle de ce qu'il faut virer. Par contre, c'est le chiant, c'est... On peut faire avec la flèche, ça, pute. Transférer. Tac, tac. Tac. Ça, ça. Je peux pas utiliser les flèches et faire rentrer. Oh yes, on peut. Merci mon dieu. Ah, nickel, ça va beaucoup plus vite. Ok, nickel. 35 kilos, on va récupérer le reste. Ouais, utilisez les flèches et faites entrer si vous êtes sur clavier parce que c'est nettement plus rapide. Ah, on va galérer pour tout récupérer. Oh mon dieu, j'aurais pas dû jeter tous ces trucs là. Je devrais jeter le jerrycan, très lourd. Le gilet pare-balles, très lourd. Qu'est-ce qu'on a encore qui est très lourd? Le sac de couchage, très lourd.
Comme ça, ce sont des gros objets uniques. Parce que là, ramasser les trucs comme ça, c'est vraiment galère. C'est en train d'utiliser les clics de ma souris. Là, ma souris va mourir. Je vais devoir en racheter une autre. Quoi. Merde. Ok, fais voir, j'en ai assez. Putain, c'est 5 kilos. 22, ouais, c'est 22 hmm. Je pensais que j'en avais 21, mais apparemment, je dois en avoir 22. Mais ouais, je pensais que j'étais parti avec 20, 21. Bon, ben, ça va. On peut faire ça. Ça, ça aussi. Kilos sûrement. Qu'est-ce que j'ai gardé? Bon après c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai gardé? Ça. Hmm. Ah oui. Ah, oui okay. Tissu. Allez, on y va. On va peut-être s'arrêter dans pas longtemps au final. On va peut-être pas atteindre l'endroit auquel je dis. Comme ça, peut-être je fais un aller-retour. Pour aller récupérer des boyaux et une peau, voire deux peaux, honnêtement. Deux peaux de cerf, je pense. J'ai bien envie de faire un aller-retour. Après, c'est mieux, ça serait de s'arrêter dans un coin. Du coup, on va avoir quoi là? On va avoir les tunnels. Bon, les tunnels, ça passe. La corde, on n'a pas besoin de la prendre, je crois. On peut. Oh putain, fais chier. Oh, la vache. Ah, qu'est-ce que c'est chiant ça? Oh, je suis bloqué. Non, ça va. Ah, très chiant. Bon, bah, du coup, désolé, hein, je peux pas mettre de lumière. Donc, complètement dans le noir. Complètement dans le noir. J'espère qu'on peut passer là. T'es sérieux? Non. Quelle merde. Bon, ben... Bon, bah on va s'arrêter là. Ça va être la fin de notre épisode. Et yay, on peut pas passer. Ça va être la fin de notre épisode. Je vais voir exactement les passages qu'on doit prendre. Et je vais faire des va-et-vient en fait avec le travois pour le faire passer. Donc ouais. On se retrouvera pour le prochain épisode où on pourra peut-être avancer cette fois. Donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.